Salut à tous, Singo, on se retrouve pour l'épisode 4 sur Machiavilain. Beaucoup de choses à faire. Alors comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, je pense que alors pour le stockage, ça je voulais le démonter au final. Parce que je vais mettre peut-être un stockage ici, quoique. En fait j'aurais dû le mettre là. C'est pas très gênant en même temps. C'est pas très gênant. On va voir. Par contre, ça il va falloir que je l'annule. Annulé. Tout simplement parce que pour construire le prochain laboratoire, ouais, j'aurai juste la place ici comme ça, donc pas le choix. Par contre, ce que je vais faire, c'est que lui, on va le mettre là. Là, il est en train de me faire l'atelier, c'est nickel. Comment on est là au niveau diabolisme? Plus 175. C'est pas colossal. Faut vraiment que je fasse une pièce pour le stockage là. On va la faire là d'abord, je pense. Alors, je pense que ça va suffire comme ça. Ouais, les portes, ouais, il en faudra, mais d'abord on va faire les murs. Alors combien c'est en place? On va regarder ça. Par exemple, stockage matériaux, 4. Je pourrais en mettre 4 ici. Donc normalement ce sera bon. Alors, faut penser que là, il y aura l'autre truc du labo. Donc il faut que je mette la porte ici. On va prévoir une porte là également. Ouais, ça me paraît déjà pas mal comme ça. Sur les ressources, on est plutôt bien. Par contre, en termes de bouffe, ça va pas trop. Ça va pas trop sur la bouffe là, même pas du tout. Alors, les lettres, on a combien? 10? Va falloir augmenter ça, je pense. On va en mettre un à 20, on va voir. Parce que là, j'ai un petit peu peur pour ma bouffe. Hein. On va pouvoir commencer à regarder ça peut-être aussi. Tiens, ouais, on va regarder. Alors, augmenter le niveau de la crypte. Niveau 2. Vous ressuscitez vos serviteurs maléfiques si vous avez assez d'aide, d'accord. Pour l'instant, on n'aura peut-être pas besoin, à part peut-être pour Chris. Là, ici, on peut débloquer. Alors, je sais pas si ça fonctionne comme ça. Place dans l'équipe, on va attendre. Victims are coming. Ah, par contre, attendez. Il y a les Vikings qui arrivent là. Tout le monde ici. J'espère que tout le monde est là. Vite. Par contre, ils attaquent pas automatiquement. Un peu embêtant ça. Bon, c'est bon. Il va vraiment falloir s'occuper de la bouffe là. Ok, envoie tes lettres rapidement. Au moins, comme ça, on sera bon ici. Encore du boulot, là. Ah. Marchand arrive, ok. Barre des longues dents. Ça aurait été bien que ça fasse un de plus, en fait. Pour faire un passage.
Ouais, ça aurait été pas mal en réalité. Alors je pense que je vais le faire. Ça va être vite vu. Go. On va faire ça comme ça. Construction. Du coup, il n'y aura plus de passage ici par contre. Mais bon, je pense pas que ce soit très gênant. Allez, casse-moi ce bloc là. Ah, ça y est, il bosse au labo lui. C'est Chris. Tac, le mur et c'est bon. Ok, ça me plaît mieux comme ça. Ça me plaît mieux comme ça. De toute façon, il va falloir vraiment que je stocke là. Alors, on va déjà prévoir un petit peu ça. Stockage de matériaux. Stockage de l'or, déjà. Ah oui, mais là j'ai mis la porte, donc c'est pas GG de ma part. Ok, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Stockage matériaux. Ici, ce sera déjà pas mal. On va aller laisser terminer tout ça tranquillement. Ce qui veut dire qu'ici je pourrais mettre une porte. Donc ça c'est top, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Ah, l'atelier. Je me suis endormi un peu. Alors. Donc je pense que ça les fait par 10. Alors on va demander à 5, voir si ça en fait 50 ou si ça en fait que 5. Ah, 10 planches de bois, maintenir à 5. Ok. On va mettre 10 du coup. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne de cette façon. Le marchand, 4 jours de bouffe, c'est bon, avec 3 victimes ça passe. Okay, on va faire ça comme ça ici. On n'est pas trop mal, je pense. Je pourrais même, pour le prestige ici. Mettre ça là. Ok, tout le monde dort. Ce que j'aimerais bien un petit peu regarder là, c'est pour les victimes. On a la télé, on a que ça pour le moment. Alors, porte en station qui pousse ou ce qui est en mouvement de l'autre côté du mur. 100% de chance d'attirer, d'accord. Bon, on pourrait mettre ça là et faire un piège derrière. Tracteur d'araignée géante. Devinez quoi pour attirer les araignées géantes? Faut un appât géant. Tire des araignées géantes. Intervalle régulier, d'accord. Peut-être construire à l'intérieur ou à l'extérieur du manoir. On va se prévoir la pièce là. On va juste la prévoir. On va attendre que celle-ci se termine quand même. Avant ça, ce sera peut-être pour le prochain épisode. On va voir si on a le temps dans celui-ci. Oh là! J'avais pas vu les victimes. Tout le monde ici. Tu parles, ils vont aller là-bas maintenant, et ouais. Par contre, ils ont pas pris peur. Est-ce que je pourrais utiliser une capacité, tiens? Transformer en zombie là, lui. On va essayer. Et toi, la momie. Non, le vampire. Ah, j'ai pas envie d'hypnotiser. Ok, on va juste essayer avec le zombie. Alors, par contre, ils ont pas pris peur. Étrange ça. Alors, Caroline. Ok.
On va tenter de le transformer en zombie. Période de marché. Attention à la suspicion là parce que. Comment ça fonctionne? Ah ça y est, c'est bon. D'accord, du coup elle est... Attendez, mais c'est quoi ce bordel? Ah, il y a le marchand qui arrive. Il est transformé en bébé zombie. Où est-ce que tu vas? Ok, elle s'est barrée parce que j'ai peut-être pas de place, en fait. Bon, ça a marché en tout cas, mais j'ai pas récupéré de gaz, c'est dommage. Ok, bon, le marchand. Alors... Ok. On va prendre de la bouffe. Hein. Ça coûte cher. Hein. Alors, si je fais plus 20 ici. Des cerveaux. Cerveau fumé. Plus 20. Un peu de viande. Des os, peut-être un petit peu aussi, on va mettre 30. Potion de soin, potion de vie. Ah ouais. Je vais en prendre 5, tiens. On a quoi ici? Potion anti-feu, champignon, victime geek. Excellent. Du sang, peut-être un petit peu aussi. Ça c'est quoi? Cerveau cuit. Plus 10. Ah, attendez, parce que ça se cumule pas, alors. Faut le faire au fur et à mesure. Donc, du sang, acheté. Cerveau, acheté. Un peu de viande. Boudin de sang cuit, allez, on va en prendre un peu. Cerveau fumé, on va en prendre 10. Les potions. Je vais en prendre 3 au final. Quelques os. Ok. Bonjour nourriture, bon c'est pas mal hein. Ça nous aide vachement. Alors, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai oublié de faire ça. On n'a aucun crafter. On va en mettre un, j'ai pas le choix. On va mettre Joanna. Bon, va vite falloir nettoyer tout ça. Encore 4 victimes. Ok, à la crypte. Alors, ce que je voulais voir tout à l'heure. Taille de nanana, ok. Sélectionner un type de serviteur. J'aimerais bien avoir un psychopathe. Ouais. Ok, allez, on va tenter, on va publier l'annonce. Continue en attente. Une journée. Publier l'annonce et je pourrais débloquer un emplacement si nécessaire. Je vais peut-être le faire d'ailleurs, tiens. Ouais, allez hop, 500. On aura une place de libre du coup. J'espère qu'on va pouvoir recruter un gros psychopathe. Alors la recherche, on en est où? On a 10 points de recherche. Que ça soit maintenu à 15, j'ai demandé. Cependant, je pourrais rien débloquer pour le moment. Tant que je n'ai pas l'autre atelier de recherche. Un petit peu étrange ça. Ok, il y a un truc ici. Réanimateur, je travaille sur de nouvelles expériences. Et j'ai besoin de matières premières pour mes expériences. Je... Et un bon prix si vous pouvez me fournir des sujets de test. Je les préfère morts si possible. Trois têtes de victimes, trois cadavres. Plus 400 pièces d'or.
Oh, ça m'intéresse pas du tout pour le moment. Alors vraiment pas. Ah, il y a les planches qui commencent à être mises là. Excellent. On en a 20. On en a 20. Il reste pas mal de bois. On va leur demander de couper tout ça aussi. Alors, ouais, le barman. Du sang, on en a un. Nouvelle génération de sang d'empire. Alors, 13 sans fumée. Allez, on va le faire. On va le faire. Voilà. On a récupéré quand même pas mal de thunes du coup. Bon, par contre, ça ne construit plus là-bas. Alors, la construction, faut que je le mette ici, je pense. Hein. Quand même essentiel. J'espère qu'on va réussir à recruter le psychopathe. Il aura son lit tout prêt ici. Ce sera parfait. Courrier envoyé. Victims are coming. Ok, elles sont là. Plus que 6 jours de nourriture déjà. Hein. Voilà. Ok. Par contre, faut qu'il me termine ça. Je crois qu'une télé, ça ne suffit pas là. Alors, on peut mettre une bibliothèque aussi. Le truc, c'est que si je la mets là, ce sera pas génial. Ouais. Ils vont être plusieurs à rester là. Il faut pas. Ça sert à rien que je fasse ça. De toute façon, en réalité, ouais, c'est les murs que je devrais mettre ici, quoi. Allez, terminez-moi tout ça, là, s'il vous plaît. J'aimerais bien vraiment stocker, là. Il y a de l'or partout. Les mecs, ils rentrent là-dedans, ils doivent se demander ce que ça fout, là. Ah, 3 candidats. Ok, alors. Ah, ça y est. Alors, on a 3 psychopathes. On a Alan Gonzalez, on a Jason Rogers et Edward Rogers. Carrément deux frères psychopathes ici. Alors. Très bon en cuisine, lui, ça c'est top. Hein. Il est nul dans le reste. Ah, ils sont pas mal tous. Après, un mec très bon en cuisine, ça peut être écrivain fantôme pour les fantômes. A essayé beaucoup de produits capillaires et donc très compétent dans ce genre de conversation. Ok. Les psychopathes peuvent équiper d'armes, attention, ils mordent même s'ils affirment le contraire. Il a plus de compétences, lui. Mais moyen. Lui il est pas mal en construction, c'est pas mal ça. Lui quand même très bon en cuisine. Je vais prendre Jason juste par principe. Jason. Il consomme 7, il consomme tous la même chose. Allez, c'est parti Jason. Jason qui rejoint la communauté. Des super vilains, c'est parfait. ok, alors. On en est où là? Ça c'est pareil. On en veut 10 en permanence. Et ça aussi. Ça va faire du boulot. Hein. Alors, Jason. Chris. Tu vas pouvoir te remettre sur la construction. Jason. Donc, tu es nul partout. Mais par contre, tu vas pouvoir peut-être te mettre un peu sur le craft. Le craft. Au cas où, contre le feu.
Je vais te mettre aussi en coupe du bois au cas où. Pour le moment, on va faire ça comme ça. Je pense que ça sera pas mal. Ouais, il faut que je laisse ça là, absolument. J'ai presque envie de le mettre là même, en fait. J'ai vraiment envie qu'il me termine ça là. C'est vraiment une prio. Faut que je fasse un passage là. On n'a pas encore miné tout ça là-bas de ce que j'avais prévu. Ok, les victimes arrivent. Alors, on va essayer de se partager un peu, peut-être. On va en mettre 3 là. Pause. Jason. Joanna ici. Non, Jason ici. Ok. Victims are coming. Ils sont là. Ok, c'est bon. Bon, ça change pas grand chose au final, mais bon. Alors, j'espère que ça va envoyer quand même la patate là-dessus, là, et qu'on va pouvoir crafter de ouf, hein, ici. Ça va être hyper important. J'aimerais bien qu'il termine ça. Ok, je vais mettre en pause. Ah, tiens, attendez, avant ça, qu'est-ce que c'est que ça? Serviteurs maléfiques veulent vous rejoindre, Ungo. Waouh! C'est quoi ça? Des loups-garous? Mettre des toxines. Et ça c'est quoi, un pneu avec des pouvoirs psychiques? C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est très cher, hein. C'est très cher, et de toute façon j'ai pas de place, donc ça sert à rien. Bon, c'est sympa par contre d'avoir ça. Ok, allez, je m'en pose, on s'arrête là du coup. Ah bah tiens, comme on le voit, on a mis ici pour le stockage d'or d'évilium plaque électronique. Et ici ça sera bientôt fait pour les ressources, donc c'est top. Alors peut-être que j'aurais plutôt dû y mettre là. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Je pense que dès que je vais prévoir cette pièce là aussi, ça va être marrant. Je pense qu'on va se marrer, j'espère que ce sera cool. Il va falloir envoyer sur le craft là par contre tout ça, pour pouvoir progresser, faire le prochain labo aussi. Il faut des rouages, je sais pas comment on les fait ceux-là. Il va peut-être falloir que je fasse venir des geeks maintenant. Alors attendez, vous savez quoi? Hop, j'annule. Hop, on va sélectionner cette campagne, là c'est bon, pas de problème. Je m'en pose, on se quitte là, et je vous dis à très vite, comme d'habitude pour la suite. Salut à tous!